Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Tourne un Kit. Alors aujourd'hui, je vous propose la présentation du numéro 29, Construisez l'Alien de chez Hachette. Et avant de commencer, je voulais vous remercier. Au moment où je tourne la vidéo, on vient d'atteindre le palier des 200 abonnés. Alors franchement, merci beaucoup. Alors présentation de ce numéro 29. Dans ce numéro, on va donc continuer les côtes et la cuisse droite, étape 1. On a un article sur la sortie d'Alien et nous avons un article sur Ashron vu par James Cameron. Alors on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro et je vais vous montrer ce qu'on aura dans le numéro 30. Et dans le prochain numéro, on continue les côtes et la cuisse droite, deuxième étape. Le guide de montage et le résultat à l'issue de ce numéro. Premier article, la sortie d'Alien. Le saviez-vous, une promo monstre. La planète LV-426 vue par James Cameron. Un zoom, le matte painting. Et dans l'espace, à quoi ressemblent les exoplanètes? Et on finit avec une belle photo. Et c'est tout pour ce numéro. Alors, présentation des pièces. Dans ce numéro, nous avons une côte supplémentaire, toujours en métal. Voilà. Nous avons deux tuyères, donc une identifiée B2 et une identifiée B1. Donc voilà. Nous avons des aimants et nous avons des vis. Et enfin, grosse pièce. Regardez-moi ça. La peau de la cuisse. Regardez-moi ça, c'est impeccable, franchement. Donc pareil, hein, très souple, mais vraiment très grosse pièce. Et ben on passe au montage. Alors première étape, on récupère nos côtes qu'on avait montées dans les précédents numéros. Et donc il ne reste plus que deux à positionner et celle-ci va venir se placer ici, comme ceci. On retourne le tout et on maintient avec une vis chromée. Voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Allez, plus qu'une et on aura fini. Allez, on passe à la suite. Alors, étape suivante, on va donc s'occuper de placer nos tuyères sur cette peau. Et donc, on positionne donc la partie creusée vers le haut. Et donc, il y a premier creux ici. Et ben nous, on va s'occuper de cette zone ici, la deuxième. Donc la première à positionner, donc c'est la 29-3 qui est donc la B1. Ici, le focus, voilà, B1. Donc, je vais couper ça. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé la languette, et donc on a un petit ergot ici. Et donc ici, on a deux petits emplacements, deux petits trous. Alors on va mettre le premier comme ça. Voilà, on vérifie que tout s'emboîte correctement. Ok. Ensuite, on prend la B2. Et donc, même chose. Une extrémité. On a le petit ergot. On va venir le positionner dans le deuxième trou.
Et donc, ça a l'air de correspondre. Tout s'emboîte correctement. Et maintenant qu'on est sûr, eh ben on va pouvoir coller. Voilà qui est fait maintenant, et on va mettre l'autre. Qui est fait. Et donc voilà le résultat. Allez, étape suivante. Alors, étape suivante, on va commencer à mettre donc les quatre premiers aimants. Donc, on va en mettre un là, un là, un là et un là. Donc voilà le résultat. Et c'est tout pour ce numéro 29. Et voilà les amis qui conclut la présentation de ce numéro 29. Alors je vais essayer de vous montrer un petit aperçu. Donc voilà, regardez-moi ça. Ça va être vraiment énorme. Ça prend forme petit à petit. Voilà. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de monter votre alien de chez Hachette. Mais je vous dis également à très bientôt pour d'autres vidéos. Et encore merci à vous. On est 200, c'est vraiment trop cool. À bientôt!